Le 6-9 vous dit bonjour. Il est 8h, vendredi 8h, c'est le guest du vendredi. Et ce matin, Marvin est avec nous. Bonjour Marvin, comment ça va? Bah ça va, super. T'es arrivé quand, Guadeloupe? Je suis arrivé hier soir. T'es en mode jet lag, hein, t'as décalé l'horaire. Jet lag, mais t'inquiète, je me suis mis bien, j'ai bu un petit punch en arrivant, ça y est. je suis mis aux couleurs locales direct. J'ai vu la météo sur Paris, ses alentours, apparemment il fait pas très très chaud. Dégueulasse. C'est le mot. Allez, ça fait du bien d'être ici. Ouais, non, ça fait du bien. Même si c'est vrai qu'on va dire que le temps n'est pas... pas folichon comme on dit, mais ouais. Ah ouais, ça va. Bah vraiment, moi d'où je viens là, non, ça fait du bien. Le public a rendez-vous demain au Palais des Sports de Gouzy pour Génération Zouk, 40 ans, 40 tubes. Ouais. On y retrouve plusieurs générations de Zoukers. Toi, tu fais partie des plus jeunes, je crois. Bah ouais, je crois même que je suis le plus jeune. Ouais. Quasiment, ouais. T'essayes pas de te vanter. Je me vante pas, c'est mon âge. J'ai 22 ans. Ah. 22 ans. Ah, mais le jeune Marvin n'a que 22 ans. Bah bien sûr. Non, mais en tout cas, je fais partie des plus jeunes, mais je suis super content d'être sur ce concert, sur cette tournée, parce que du coup hier on répétait, j'ai vu le tracklisting et tout, et puis il y a plein de chansons, c'est que des souvenirs pour moi. C'est sûr. Un fou. En fait, les 40 ans du Zouk, toi t'en es à combien? Moi sur ta carrière? J'ai commencé en 2006, donc calcul les filles. 2006 à 2000, ça fait 12 ans, 13 ans. Ouais, 13-14 ans. Il a 22 ans, donc 13 ans, il a commencé. il a commencé à 7 ans. Bon, vous restez avec nous sur Energy. Marvin est notre invité, c'est le guest du vendredi. Tu sais que tu vas jouer avec nous aussi. On va jouer au jeu des 4 mots. Au jeu des 4 mots, puis on fera également le mash-up en fin d'émission. Restez avec nous. Voilà Marvin avec Tu me manques sur Energy. Si c'est dans le 6-9. C'est ce qu'on appelle un classique. Tu me manques. Chanté au préalable par Harry Diboula et repris évidemment par Marvin sur une prod de DJ Jairo. C'est le guest du vendredi et ce matin avec nous Marvin. Alors tu me manques, on est pile dans le concert Génération Zouk, hein, ouais. Intergénérationnel. Est-ce que tu vas la chanter celle-là face à Harry Diboula? Non, j'oserais pas. En vrai, j'ai joué le jeu pour la compile de Jairo et tout, je trouvais ça super cool, mais moi je le vois plus comme un hommage qu'une reprise. En vrai. Pour moi, ce morceau, il était intouchable. Quoi. Ouais. C'est le morceau d'Harry, c'est comme ça. On en parlait en antenne, ça serait top de faire un duo avec Harry sur la scène du Génération Zouk. C'était génial en plus, parce que du coup, quand j'ai fait la chanson, je me suis dit, ouais, je sais pas quand même. Pour moi, c'est vraiment un classique. Moi, j'adorais ce morceau. Et il m'a tout de suite envoyé un message, il m'a dit, j'ai les larmes aux yeux et tout. Franchement, ce mec, il est extraordinaire. Ouais, humainement, il est vraiment chouette. Donc, c'est bien ça, c'est un bel hommage aussi. Carrément, j'étais flatté, j'étais content. Alors, Harry Diboula sera évidemment là demain pour le concert Génération Zouk, mais il y aura pas que. Il y aura Léla et Chico. On s'est dit quelques-uns, Eric Vingal, Marvin forcément, et d'autres. Sly, Tyricam, Orlan, Mehdi Custos, Sly. Il y a du lourd. Ah, c'est lourd, hein. C'est carrément une soirée électro zouk demain. Exactement. Soyez là. Alors, ton dernier projet, ton dernier album, ça se compte en années. Ça remonte à. Je sais pas. Bah, il a 22 ans. Non, son dernier projet, son dernier album. Je parlais du dernier album, ça remonte dernier quand même. Dernier album, ça fait 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans, ça dit quoi pour la suite? Eh ben là, ça y est, je rentre en studio. Je fais un peu le feignant. Alléluia! Mais moi, je fais partie de ces artistes qui, franchement, je te jure, je calcule vraiment rien. Je vais pas faire un album parce qu'il faut faire un album ou parce que commercialement ce serait bien parce qu'il y a une petite détente, parce qu'il y a une petite descente ou ouais, mais si t'as rien à dire tu fermes ta ça c'est une bonne personne. Non, mais vraiment, je veux dire, enfin moi je vois la musique, je suis toujours resté passionné comme au premier jour et voilà quoi. Si j'ai pas envie de faire de la musique pour faire de la musique ou essayer de singer qui que ce soit, donc vraiment quand souvent on est sur les routes ou entre deux avions et souvent en ce moment j'avais pas grand chose à dire, en tout cas ma vie se passait plutôt bien, pas d'histoire d'amour qui part en sucette, rien à dire, rien spécial, donc faut absolument qu'il y ait quelque chose dans ta vie, des fois je titille ma femme, j'essaie de créer une embrouille, un truc, mais elle est pas très rancunière, donc du coup l'embrouille elle dure pas et j'ai toujours rien à dire, tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux comme ça. Tu as eu l'occasion de faire quelques duos de ouf. Voilà, hein, je pense notamment à Yemi Alade. Ouais. Puis également J. Capri qui nous a quittés. Exact. Il y a 4 ans maintenant, c'est ça? 4 ans, c'était en 2015. Ouais. C'était le 23 novembre 2015 exactement. Ça fera donc 4 ans. Comment s'est passé ces connexions avec ces artistes? C'était toujours au détour d'une date, souvent sur Paris ou à l'étranger pour Yemi Alade.
Et bah voilà, c'est super cool parce que souvent, ce que veulent les artistes à l'étranger, c'est faire des connexions pour pouvoir aussi avoir un public plus ouvert en France. Moi, ça m'arrange vachement parce que Yemi Alade, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que moi en Afrique, ça m'a propulsé en Afrique. C'est un truc de fou, c'est une star là-bas, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, mais humainement, quand on s'enferme dans un studio, on se rend compte que peu importe la notoriété de l'autre en face, on est tous les mêmes, quoi. Tu vois, on est rejoint par une passion commune, et voilà. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir collaboré avec la défunte J. Capri et Yemi. T'as essayé de percer dans le milieu nation, on en est où? Non. Est-ce que c'est un but? J'ai pas un projet. En vrai, j'ai pas essayé de percer, parce que moi, j'ai jamais été frappé aux portes. Ils sont venus à moi. En vrai. J'ai pas mal parlé, mais pour la plupart, ils s'en foutent. Tu peux mal parler, il n'y a pas de problème. Ils s'en foutent, c'est vrai, je peux tout dire. Ouais. Non, mais je pense que notre musique, ils la connaissent pas très bien, ils veulent l'emmener ailleurs, et quand on regarde, ça matche jamais vraiment, parce que du coup, il faut faire des compromis, et en vrai, pour la plupart, ils aiment pas trop le zouk, mais ils veulent quand même te signer parce que c'est un public intéressant, ils disent, il y a une grosse basse fan, on va y aller. Donc ouais, c'est pas la meilleure expérience de ma life en vrai. Très bien. Je me débrouillais mieux tout seul. Ok, bah continue alors. Marvin est notre invité ce matin. On aura les questions auditeurs dans un instant. On aura également le micro-trottoir parce que tu sais, on s'est déplacé dans la rue. On a été demandé ce que vous pensez de Marvin. C'est dans un instant après avec Camila Cabello avec Havana sur Energy. À tout de suite. C'est le 6-9 sur Énergie avec à l'instant Camilla. Non, lui c'est son frère. Ouais, c'est Camilla Cabello. C'est le 6-9 et puis le vendredi, comme chaque vendredi, il y a le gaz du vendredi, notre invité. C'est Marvin qui sera au concert demain soir, on le rappelle, au Palais des Sports du Gousier, Génération Zouk. Marvin, on a été dans la rue, on a été demandé ce qu'il pense de toi. Ouais, j'ai peur un peu. Tu peux. Non, je rigole, tout va bien. On a écouté, ça a l'air pas mal. Écoutez, micro-trottoir, on a demandé. Est-ce qu'on a demandé d'ailleurs? Vas-y, c'est lui qui fait le micro-trottoir. Connaissez-vous Marvin et que pensez-vous de lui? Très bien, merci Narka. Guada, ça dit quoi? Le micro-trotte du 6-9. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'âme. Bref, je vois. Il chante bien, je l'aime bien. Mais il devient quoi? On le voit plus. Bah justement, il est avec nous aujourd'hui. Donc si t'as un message à faire passer. Ben Marvin, où es-tu? On aurait aimé te revoir. Aujourd'hui, on reçoit le chanteur Marvin. Que penses-tu de lui? Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. C'est un jeune, mais que j'aime beaucoup. Qui continue dans cette voie. Chanteur agréable que j'aimerais bien voir. S'il veut chanter à côté de moi, ça va. Hein. Dès que monsieur n'est pas jaloux, moi je suis d'accord. Laisse-lui tes coordonnées. Ah non, non. Ah mais c'est pas mauvais ce gars-là. Je trouve qu'il chante assez bien lui. Sa façon de faire sa musique, quoi. Ça me plaît un peu. Ça me plaît beaucoup. C'est du positif, visiblement, Marvin. Ben. Alors, il y en a une qui a dit, qu'elle t'attend, qu'est-ce que tu deviens, t'es où? T'as jamais quitté le milieu, t'es encore là? Non, je suis toujours là, mais bon, d'où, voilà, ce dont on parlait, mes trois ans d'errance. D'abstinence musicale. Ouais. Non, mais je suis là, je suis toujours là, et puis je suis toujours sur les routes, et puis c'est vrai que, le monde est grand, donc, moi j'ai toujours pris plaisir aussi à exporter cette musique, aller voir ce qui se passait ailleurs, et voilà, c'est ce qu'on fait aussi un petit peu tout le temps. On la rassure, il y a un projet à venir là avec un nouvel album. Ouais, ça arrive. Nouvel album. On a également les questions auditeurs avec Morgane. Ouais, j'en ai pas mal. GG sur Facebook qui demande, ta passion pour le zouk a commencé comment? Ma passion pour le zouk a commencé quand j'ai commencé à faire du zouk. Genre le mec égocentrique, je n'aime que moi. Non, rien à voir, c'est que je connaissais pas très bien cette musique. Je connaissais quelques chansons, mais c'était carrément pas ma musique de prédilection. Et ce qui est cool, c'est que moi je suis tombé amoureux du zouk avec les compositeurs avec qui j'ai travaillé, avec des musiciens. Voilà, j'ai vraiment appris à découvrir cette musique en même temps que je la faisais, donc ça a donné un truc assez spontané, quoi. D'accord, mais du coup avant zouk tu faisais quoi? Quel genre de musique? Avant zouk, j'ai beaucoup chanté dans les piano bars. Donc j'avais plus un répertoire jazz, soul et voilà, qui était un peu différent. D'accord, ok, intéressant. Une seconde question, d'où nous viens-tu? Question sur Instagram. Ça, parce que beaucoup pensent que tu es antillais, ouais. D'autres ouais. Je viens africains. De l'hôtel là, de Non. Ouais, je suis. Ma mère est bretonne et mon père est ivoirien. D'accord. Et c'est vrai que si je peux dire la vérité, la première fois que je suis venu aux Antilles, j'avais quand même plein d'amis antillais tout ça, et j'étais persuadé que c'était
c'était quand même assez communautaire parce que j'entendais qu'il y avait des rivalités Guadeloupe-Martinique. Donc je me disais, si moi je débarque et que je dis que je suis africain et que je fais du zouk, je vais me faire laminer. Donc j'ai jamais menti, mais je disais trop rien. Donc du coup, c'est vrai qu'on a pensé que j'étais Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, Guyanais. Et du coup, t'as plutôt grandi en Côte d'Ivoire ou en Bretagne? En Guadeloupe. Non, je connais bien mieux la Guadeloupe que la Côte d'Ivoire. Mais j'ai grandi en Bretagne. D'accord, très bien. Bah, on va se retrouver tout à l'heure parce qu'on a plein de questions auditeurs. Hein. Vous avez posté vos messages sur Insta, puis également sur le Facebook de la radio Énergie Antilles. On écoute Weirmana, puis on revient après avec Marvin, qui est notre invité. C'est le guest du vendredi ce matin. Ce matin, notre guest, Marvin. Avec à la fin de l'interview, on va évidemment chanter. C'est le mashup. Snarkle est là, le gars qui fait des parodies, qui va également chanter avec nous. Il y aura aussi Narka, Nandi, et puis évidemment. Je peux pas chanter, j'ai mal à la voix. Morgane ne chante pas non plus. Pourquoi? Non, parce qu'il fait beau. Non, mais là, c'est autre chose. Pour Morgane, c'est un autre problème. Elle a dit, elle veut bien. Ouais, pour Marvin, je veux bien chanter. C'est vrai? Oh là là là, non. Alors là. Oh non. Le gars, il s'en fout. Il se passe un truc de fou. Froid, ouais, ça, voilà, là. Tu vas lui remettre le froid. Bon, on va jouer au ça ou ça. On va faire le ça ou ça. C'est les questions ping-pong avec Nandi et Morgan. Bah, je vais commencer. Du coup, Marvin, t'es plutôt plage ou rivière? Plage. Ok. Bokit ou Agoulou? Bokit. Tu préfères le piano ou la guitare? Piano. Perdre la vue ou perdre la parole? Oh, shit. Ça, c'est la question. La vue. Ok. Tu préfères les dîners entre potes ou les mondanités, gros événements? On dîne entre potes. Ok. Et la dernière, Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé. Oh. 100%. Ah ouais? Ouais. Carrément? Rihanna, ah ouais, non, carrément. Aucun. C'est pas ta cam. C'est pas que c'est pas ma cam. Rihanna, je pense que elle est très bonne sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne businessman. Elle est mortelle. Elle a des prods incroyables. Après, moi, je suis un amoureux du chant et. Elle chante bien, et de la musique. Ouais, Rihanna, c'est pas Beyoncé quand même. C'est pas Beyoncé, vocalement. Enfin, c'est mon avis d'ailleurs. Ouais, c'est ton avis. Tous les avis sont dans la nature. Bon, on fera également. On lui a demandé sa playlist aussi. Alors, on va commencer avec le morceau pour te donner la pêche. Ça sera quoi? Ce serait Happy, Happy, Happy. Ça, c'est un classique, mais ça marche toujours. C'est vrai. Je crois qu'il n'est pas le seul à avoir choisi Happy. Ah, mais ce morceau, il fait sourire. Je crois aussi. Jean-Claude Moaka avait choisi Happy. Exactement. Okay. Ensuite. Un morceau pour rompre. Ah, j'ai pris une chanson à moi. Elle est toute faite. Tu peux même envoyer le track à quelqu'un quand tu veux rompre. Si... Écoute, c'est facile. J'avoue. C'est vraiment le son. Si vous avez envie de quitter quelqu'un, vous lui envoyez ça en pièce jointe. En MP3, c'est réglé. Et puis, le dernier morceau, donc un morceau pour Tanjaï. Ça serait quoi? J'ai découvert un morceau au Portugal, là, ça s'appelle Bossula et il est incroyable. Okay. Alors écoutons quelques secondes. C'est sorti apparemment en juillet. C'est que c'est pas mal. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça fait un petit mélange afrobeat façon avec. Exactement. C'est que c'est pas mal. C'est probablement un son proposé en rayon de prog, ça. Nelly, merci beaucoup. Nelly, pas de problème, c'est pour moi. Avec Boussola, restez avec nous sur Énergie. Avant l'info, on aura aussi le jeu avec Marvin qui va donc jouer avec nous et le mash-up dans un instant. Laura Latch revient pour l'info. Énergie vous entraîne dans la magie du 7e. Le jeu des 4 mots. On y est, on est en plein dedans, c'est le jeu des 4 mots. Alors Marvin, on va t'expliquer en quelques mots le jeu. Okay. Nandi. Alors, je vais donner 4 mots à une auditrice, en l'occurrence, et elle nous dira les premiers mots qui lui passent par la tête. Et tu vas devoir en retrouver au moins un. C'est-à-dire qu'on va te mettre dehors du studio. Je suis désolée. Alors, d'abord, présentation de l'auditrice qui est avec nous. On a Marine avec nous. Bonjour Marine. Salut Marine. Salut, ça va? Ça va, merci. Marine, Marvin, ça rime? Lol. Non, mais c'est quoi lol? Il n'y a qu'une lettre qui diffère. C'est vrai? Ouais. C'est une réalité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Marine? Non, il n'y a rien du tout. Je ne vais rien dire. Ne dis rien. Si, il va falloir parler quand même, parce qu'il va falloir que tu nous trouves des mots. Enfin, tu nous donnes des mots dans le jeu des 4 mots. Alors, Marvin va sortir du studio. Ouais, c'est comme ça, on accueille les... C'est comme ça qu'on accueille nos invités, nos guests. Oui, tu sors carrément du studio. Oui, monsieur. Sortez du studio. Et on va donc... Lâchez les mots avec Nandi. Alors, Marine, si je te dis zouk, tu me dis? Danser. Ok. Si je te dis concert, tu me dis? Chanson. Ok.
si je te dis Bretagne. Biscuit. Ouais, ouais. Tu es sûr? Bah, bref. Marvin. Si je te dis Marvin. Chanteur. Ok. Ça fait deux fois chanteur, hein, si je comprends bien, c'est ça? Non, il y a chanson. Ah, chanson, ok. Bon, ben, on croise les doigts, on rappelle Marvin. T'es sûr que pour Bretagne, tu veux pas changer un truc? Oui, campagne. T'as dit quoi? Campagne, c'est pas campagne. Mieux. Hein. Ah, je préfère biscuit. Hein. Laisse biscuit. Ouais. Laisse biscuit. Non, mais elle a pas tort, puisque en Bretagne, il y a quand même. Oui, il y a des trucs, mais c'est pas, ça s'appelle pas comme ça. Ça attention, je reviens. C'est un nom précis, tu vois. Que... Il y a le biscuit nantais, les BN. C'est breton. Des BN. Ah, les BN, ouais, tout à fait. Allons-y. Bon. Sans déconner, bon bref. Marvin est avec nous ce matin pour jouer au jeu des 4 mots. Alors Marvin, attention, écoute bien. Et je te signale que tu joues pour elle. Ok, ça marche. Donc Marvin, si je te dis zouk, tu me dis Love. Ça aurait pu, mais non. Elle a dit danser. Ah, dommage Marine. Alors, si je te dis concert. Chanteur. C'est dur, c'est chanson. Elle a dit chanson, ouais. C'est trop dur. Ah, c'est trop dur, je suis dégoûtée. Bon. Troisième mot. Si on te dit Bretagne. Attends. Si on te dit Bretagne, il a parlé tout à l'heure de BN et tout, il a donné un indice, tout ça. Il a parlé de Nantes. De Nantes, ouais. Voilà. Avant déjà, Nantes, c'est pas en Bretagne. Non, mais. C'est pas grave. C'est à côté. Ah, mais moi, rigolez pas avec ma Bretagne. Non, crêpes. Ah, mais t'as des crêpes, oui, à voilà, crêpes. Oui, c'est quoi, on accepte ou pas? Elle a dit biscuit. Mais non. Je suis désolé. La Bretagne. T'aurais dit galette, là. Ça aurait été, hein. Ah ouais. Quatrième, dernier mot, peut-être. Ah ouais, si je te dis Marvin, tu nous dis... Normalement, elle a dû dire chanteur. Oui. C'est une bonne réponse, enfin. C'est gagné. On s'en sort plutôt pas mal. Hein. J'ai eu chaud, là. On s'en sort pas mal, Marine. Bon, on lui donne des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux, Marine? Énergie Music Tour. Ok. D'ailleurs, Marvin a fait partie du Énergie Music Tour il y a quoi, il y a un an? Exact, c'est ça? Ouais. Je fais deux fois, ouais. Et ça va être énorme, cool. Cette année. Tu seras pas là mercredi. Ouais, j'ai vu le plateau est dingue. Le plateau est lourd. Ouais. Ok. Des cadeaux pour toi, il n'y a pas de problème. Tu restes avec nous, il y aura les questions auditeurs tout à l'heure de Marvin et puis évidemment le mashup. On va chanter sur Énergie, c'est vendredi, c'est veille de week-end. On est chaud. La vidéo et les popcorn sur Energy dans 6-9 avec le titre Risky. Il est 8h47. Et je crois que dans un instant, c'est mashup sur Energy. En attendant, les dernières questions auditeurs, les questions qu'on a reçues via l'Insta d'Energy Anti, puis également le Facebook de la radio. Ouais, j'en ai deux, allez, les deux dernières. Ta meilleure punchline pour séduire? Ma meilleure punchline pour séduire? Ouais. Mais il ça séduit fait, plus, ouais, il est marié. Ouais, mais quand tu veux séduire ta femme, ça fait longtemps que je séduis plus. Qu'est-ce qu'on mange, chérie? Ça y est, on en est là. Ou tu séduis ta femme, c'est bon, hein. c'est ta femme, tu la séduis plus, hein. C'est fini. Ah bon? Non, je rigole. Non, mais tu sais, c'est vrai que je suis marié, je suis en couple depuis très très longtemps maintenant. Donc, n'importe quel mot d'amour, ça marche du coup. Okay. Parce qu'on se les dit moins, donc du coup ça fonctionne. Donc est-ce qu'il reste du papier toilette, chérie? Ça, pour toi, c'est mon amour. Est-ce que voilà, tu peux m'emmener du papier toilette? Déjà, si tu finis la phrase par mon amour, t'as gagné. D'accord, ok. Tu serais pas un peu scatophile, toi? Tu prends tout de suite aux toilettes. C'est vrai que l'exemple était. La vue. Et la petite dernière, si tu ne t'étais pas lancé dans une carrière de chanteur, qu'aurais-tu fait? Eh ben, je me suis souvent posé la question, j'en sais rien du tout, vraiment, je sais pas, mais je pense que j'aurais fait du business, probablement dans l'immobilier. Quel genre de... Ah, d'accord. Ça, ouais. Je croyais que c'était des business illicites. Non. Ouais, je vais me lancer dans le business, là. Mais j'y pense, que je prends beaucoup l'avion et du coup, des fois, je me dis... Non, je crois que... Très bien. Et je crois que ça va m'achoper dans quelques secondes sur Énergie. Attention, restez avec nous, ça va être très très bon. Le mashup du 6-9 Énergie. On a décidé l'instru de Tiganji, Nestlé. Ouais. On commence avec Nandi. Ok. Déjà, je vais me mettre en position parce que le monsieur est à côté de moi là. Il met la pression. La pression, je te dis, la pression. Mais tu n'es pas là. Oh yeah. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie. La fenêtre d'en face et visiter ton paradis. Tant pis, si tous les
monde s'éloigne de moi. Dommage, tant pis. Snarkel. Si peu à peu je perds la foi, mais je t'interdis de vivre loin de moi, loin de moi. Accueil, pas de vos codeurs, c'est autre chose. Le gars qui fait des parodies. C'est le poteau Snarkle. Il fait partie de l'équipe. C'est notre ami Snarkle. On enchaîne avec un autre où ça va être compliqué. Hein. Mes amis. C'est Narka. Le boss est arrivé. Pour rien au monde, je te montrerai ma souffrance. Wow. Oh yeah. Elle se fera en silence. Tu m'as rappelé la méfiance. Malgré ma fierté, j'avoue, je me meurs de toi. Ah ouais. Tout est fini. Oh yeah. Je finirai ma vie sans toi. Comment? Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir pour toi et moi. Tout est fini. Je t'oublierai avec le temps. Wow, wow, wow. Tout est fini. C'est ma chef spéciale Marvin. Et on conclut forcément avec Marvin. Un beau titre. Oh non, 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 non. Tu es mon idéal. Mon joyau, mon Graal. Tu es mon idéal. Hey, tu es mon idéal. Mon joyau, mon Graal. Tu es mon idéal. Ok. Punchline procédure maintenant. Prêt? Baby, je veux être ton everything, ton tout, ton être, ton soleil qui brille. Et quand bien même viendra la nuit, je serai quand même ta lueur divine. Je suis dévoué à toi, je ne vis rien que pour toi. Baby, reste avec moi, je t'en prie. Yeah, 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 yeah. Hey. Hey, wow. Appelez-le Mister Vibe. Franchement, c'est le boss. Ça Vibe, c'est Marvin sur Energy qu'on va retrouver évidemment demain soir, Génération Zouk, avec plein d'artistes. C'est un concert intergénérationnel. Ouais, ça va être lourd, ça va être lourd. Que des bons souvenirs. Iboula, Marvin, en passant par les Lachico, Eric Virgal, ouais, j'en oublie, Sly. Ouais, Sly, Orlan, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être plein, ça va être au top. Donc rendez-vous demain soir pour le Génération Zouk. Merci beaucoup, Marvin. Bah, merci l'équipe, ça m'a fait super plaisir d'être là. Bah, merci pour la bonne humeur. Vraiment, vraiment. Et puis tu reviens quand tu veux évidemment avec nous. Merci. Sur Énergie. Reste...